Droits humains, droit à la santé et techniques de communication sont les trois modules de formation sur lesquels les sages-femmes de la région de Bekin ont planché durant 5 jours. Elles ont la ferme volonté de jouer leur partition dans la réduction de la mortalité maternelle qui est de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Pour y parvenir, l'Association des sages-femmes ivoiriennes, ASFI, mise sur un changement de comportement de toute la corporation. L'accouchement est un rite de passage qui a une profonde signification pour la femme et sa famille. Aussi, les rapports entre la femme et la sage-femme sont-ils très importants car ils constituent un moyen de fournir des services de santé essentiels susceptibles de sauver des vies des mères et des enfants et de rehausser l'estime personnelle des femmes qui fréquentent nos services de soins. Avec l'atelier de Boaké, ce sont au total une centaine de sages-femmes qui ont déjà été formées grâce au soutien financier de plusieurs partenaires au développement, dont ONU Femmes. La représentante résidente de cette structure des Nations Unies salue et encourage les sages-femmes dans leur volonté d'innover. L'atelier de Boaké a pris fin par une remise de diplômes aux sages-femmes formées.